l'année dernière, la Fondation France Israël a organisé un premier voyage, a emmené une première délégation de descendants de Justes sur les pas de leurs ancêtres à Yad Vashem, voir le mur des Justes et se recueillir, se souvenir et honorer leur mémoire. Ils ont contacté via Yad Vashem un certain nombre de familles descendants de Justes qui ont dû mandater des jeunes entre 20 et 35 ans pour participer à ce voyage. Du coup, la Fondation m'a contactée pour me proposer de partir cette année avec eux en Israël pour me souvenir avec eux et prendre conscience de l'héroïsme de nos grands-parents à travers leur histoire et à travers de l'histoire du peuple juif. Il s'agissait à la fois de montrer à ce jeune, d'une part, un visage d'Israël qu'ils ne connaissaient probablement pas, de leur rappeler leur ascendance, si je puis dire, et qu'ils puissent se rendre compte à quel point les Israéliens, les peuples juifs en tant que tels, réservaient une attention particulière à ceux et celles qui ont sauvé des Juifs pendant la tourmente, et comment nous les considérons. Pour ma part, je considère ce juste, puisque au Comité français d'État de Vashem, notre activité est essentiellement tournée vers la recherche de juste, leur nomination et la remise des médailles et diplômes qui leur sont décernés par l'État d'Israël. Eh bien, l'action de ces personnes, de ces justes parmi les nations, ont en quelque sorte, en partie, effacé l'humiliation. Ils étaient une sorte d'étoile qu'on ne aperçoit que la nuit. Et ce sont des étoiles qui doivent nous guider, et qui doivent guider surtout la génération qui nous suit dans leur acte au quotidien, et ça va servir de leçon en quelque sorte. Mes arrière-grands-parents n'ont jamais parlé de ce qui leur était arrivé. Mon arrière-grand-mère l'a appris alors que sa mère venait de mourir, l'a appris sur le cercueil de sa mère le jour de l'enterrement, a vu la plaque marquée Juste, reconnaissance de Juste. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus, de savoir pourquoi est-ce qu'elle avait obtenu tous les deux, pourquoi est-ce qu'ils avaient été reconnus comme Juste, d'où venait cette reconnaissance, quels avaient été leurs actes. Quels ont les risques qu'ils avaient pris pour sauver plusieurs familles. Et voilà, pourquoi est-ce qu'ils étaient c'était des héros. Et comme ils ne nous en ont jamais parlé, j'avais envie d'aller sur place et en savoir un peu plus sur leur histoire, essayer de rencontrer les rescapés des familles, qui nous parlent un peu de leurs ressentis, comment eux, des années après, se souviennent encore de cette période. Et puis aussi, surtout avec du recul et après être rentrée, je voulais que les jeunes de France se souviennent que la France n'a pas été uniquement une terre de collabos, qu'il y avait autre chose que le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a aussi des gens, des hommes, des femmes, des familles qui ont donné leur vie d'une certaine manière pour en sauver d'autres, ont pris des risques inconsidérés et d'aller sur place. C'était un moment très fort et un moyen incroyable pour prendre conscience de tout ça. La première partie, on arrive à Jérusalem. On va à la découverte des lieux saints de Jérusalem. Même si on y va dans une démarche totalement, je dirais, passive, juste dans le souhait de visiter les lieux saints, on est quand même rattrapé par l'histoire. Thank you.
ensuite, on a eu la joie de pouvoir retrouver des rescapés, sauvés par les familles des descendants qui étaient là. Et c'était un moment excessivement émouvant. Oui, on a jamais eu l'occasion de discuter. C'est la main qui nous suit. Je te vois, alors je pense. Je suis tellement fier que je sois là. Je suis une partie de cette famille, il n'y a rien à faire. Ah oui, oui, totalement. Totalement. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le travail de mémoire que veut faire la Fondation France Israël, qui va permettre de rendre hommage aux justes parmi les nations. Le moment que nous sommes en train de vivre est un moment particulièrement fort dans la vie de chacun d'entre nous, mais plus particulièrement dans la vie de certains petits-enfants de justes qui sont là et qui vont rencontrer pour la première fois ou pas des rescapés sauvés par leurs grands-parents. Les jeunes générations ont appris très récemment l'histoire de leurs grands-parents et de fait l'histoire des justes, c'est-à-dire des Français qui se sont comportés pendant la guerre comme des héros et qui, au prix de leur vie, ont sauvé des Juifs. Moi, c'est Blaise, j'ai 21 ans. Je suis moitié italien, moitié français. Mes grands-pères ont gardé deux petites filles juives pendant les dernières 3 mois de la guerre. Moi, c'est pendant la guerre, mon grand-père qui a hébergé David pendant 3 ans. L'histoire en elle-même, je ne l'ai pas vraiment connue et je ne la connais toujours pas. Je vais la découvrir en même temps que vous, en fait. En fait, j'ai juste... Tu veux un verre d'eau ? Non, ça va. En fait, j'ai été au courant de cette histoire à la remise de la médaille des Justes, donc c'était en 1997. Pour mon grand-père, en fait, c'était normal de faire ça. Donc. C'est mon arrière-grand-mère et ma grand-mère qui ont sauvé une famille de 7 juifs dans le sud-ouest, près de Biarritz. Et ma grand-mère était postière et une autre famille protestante est venue la voir pour dire « il y a une famille qui est bloquée, est-ce que tu peux les héberger ?» Et ni une ni deux, elle a dit oui. Et si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour elle et pour la foi qu'elle m'a transmise quand je l'ai vue le dernier jour avant qu'elle meure, qu'elle m'a raconté son histoire et... Elle est morte, elle avait le sourire, et en me racontant cette histoire, et ça m'a donné envie de poursuivre en cherchant le peuple juif, qu'est-ce que c'était. Et pour moi, c'est une fierté et un honneur d'être ici, pour ma grand-mère, pour ma foi. C'était mon arrière-grand-oncle, le frère de mon arrière-grand-mère, Arthur Saint-Ex. Donc il était archiprêtre, homme d'église de la hiérarchie catholique. Et il a aidé, sauvé des Juifs en les cachant dans le clocher de son église. Et il était donc notamment le père de Dora. Dans le petit village de Lectour, dans le Gers, des gendarmes sont venus arrêter mon père. Ces gendarmes ne sont pas rentrés dans la maison. Ils sont restés sur le pas de la porte 10 ans. Que Israël Weissmann, le nom de mon père, est sur la liste d'arrestation. Et j'avais 11 ans à l'époque, j'ai tout entendu, maman qui était d'origine allemande, qui ne parlait pas très bien le français, comme elle était extrêmement émue, elle disait oui, elle disait non, elle ne répondait pas juste aux questions. Moi, une petite fille de 11 ans, je suis intervenue, j'ai dit que mon papa n'était pas à la maison.
Le gendarme a dit, bah, écoute ma petite, si ton père rentre ce soir, tu lui diras de préparer une petite valise et nous reviendrons le lendemain matin. Ils nous ont averti, ma mère, ma petite sœur et moi, que mon père était en danger. Le lendemain, très tôt, et je ne sais vraiment pas comment, un jeune garçon est venu disant que l'archiprêtre de l'église demande à voir mon père. Mon père est sorti de la maison, il est allé seul à l'église et il a été caché par l'archiprêtre Saint-Ex dans le clocher de l'église pendant 8 jours. Pendant, je peux dire, une quarantaine d'années, cet épisode m'a poursuivi. Je ne connaissais ni le nom de l'église, ni bien sûr le nom de l'archiprêtre. Ça nous a pris longtemps. Ça a pris à peu près plus de 2 ans, 2 ans et demi, pour rechercher la famille de l'archiprêtre. L'archiprêtre Saint-Ex a sauvé mon père. Et je peux dire, c'est toujours ce capucine qui me tranquillise, et je peux dire que grâce à l'archiprêtre Saint-Ex, le grand-oncle de Capucine, mon père a échappé aux griffes des nazis. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez, en août 1942, mon père est caché dans le clocher de l'église. C'est presque, je crois, 70 ans après, par le biais de Capucine, que je peux rendre hommage à cet archiprêtre qui, au péril de sa vie, de sa fonction, a sauvé des juifs qui étaient condamnés. Merci. Soir, nous avons pu assister aux cérémonies commémoratives de la Shoah en présence de Benjamin Netanyahou et de Shimon Peres au mémorial de Yad Vashem. Et c'était une cérémonie la nuit, excessivement recueillie pour tout simplement rendre hommage aux 6 millions de morts et de victimes de la Shoah. Nous avons pu assister au mémorial de Yad Vashem et ensuite descendre au Jardin des Justes pour voir le nom de nos arrière-grands-parents ou de nos grands-parents qui est inscrit dans le marbre sur la terre d'Israël en remerciement et en reconnaissance des actes qu'ils ont accomplis. À Yad Vashem, le cadre en lui-même est déjà très impressionnant parce qu'il y a toute une descente pour aller vers le Jardin des Justes où on passe notamment sous une voie ferrée éclatée sur laquelle figure l'un des wagons de la mort, l'un des wagons qui emmenait les familles juives dans les camps d'extermination. Ce qui est impressionnant, c'est de voir ces murs sur lesquels sont écrits des centaines de noms de gens qui ont sauvé des familles juives
Et pour ma part, ce qui était impressionnant, c'est que j'ai la chance d'avoir une famille pour laquelle un arbre a été planté. Pour les Justes, qui ont été honorés avant les années 80, on a pu planter des arbres. Il y a 2000 arbres qui ont été plantés dans le jardin des Justes. Mes arrière-grands-parents ont disparu maintenant, mais de savoir qu'il y a un arbre qui tous les ans revit, qui tous les ans fleurit pour eux, est quelque chose d'excessivement émouvant. Et en plus, pour l'ensemble de la famille, pour mes cousins, pour mes oncles et tantes, me dire que nous avons un arbre dont les racines sont plantées en Israël, dans la Terre Sainte, c'est excessivement important. À nous maintenant de porter les valeurs qu'ils nous ont transmises. Je sais pas, ça fait 10 ans de voir le nom de sa grand-mère là, qui va rester à jamais là. C'est énormément d'émotions. Ouais, et puis, je sais pas. Avoir l'enfant qu'elle a sauvé, avoir son nom, avoir parlé avec d'autres descendants Justes, ça fait du bien. Ce voyage est important tout d'abord pour nous. Pour pouvoir exprimer l'appréciation, la gratitude et des rescapés et de Yad Vashem, du peuple juif, de l'État d'Israël, et à ses Justes. Et c'est aussi important, je crois, pour que les jeunes générations aient des rescapés et des Justes et continuent ce lien incroyable qui s'est forgé pendant la guerre. C'est aussi, je crois, très important parce que les Justes, ils ont un message pour nous. Ils ont un message qu'il faut se battre pour les valeurs et qu'il ne faut jamais arrêter, qu'il ne faut pas être indifférent. Et je crois que ces petits-fils et arrière-petits-fils des Justes, ils ont aussi, même si eux, évidemment, ils sont comme tous les jeunes Français, mais je crois que ce sont les meilleurs ambassadeurs pour ce message en France. Après le mémorial à Yad Vashem, nous avons été invités à participer aux cérémonies commémoratives à Roglitz des déportés français, des déportés juifs français. Aujourd'hui, emmenés par la Fondation France-Israël, 20 jeunes Français, 20 petits-enfants de Justes parmi les nations, sont venus s'incliner devant ce mur en hommage ultime. Ces jeunes de la Fondation France-Israël, qui ne se ressemblent pas, qui viennent de toute la France, ont en commun un héritage. Ils sont les petits-enfants de Justes Français. Ils sont les descendants de héros qui un jour ont dû se lever, ont dû s'opposer à la barbarie. Ils sont tous là pour défendre les droits de l'homme. Le président de la République, Jacques Chirac, que j'ai eu l'honneur de servir, a prononcé en 1995 un discours historique, le discours du Veldiv, à l'occasion duquel il a reconnu la responsabilité de la France et de tous les corps d'État français qui ont collaboré et qui ont participé au génocide que nous avons connu. Mais le président Jacques Chirac a également fait œuvre historique aussi en 2007, en faisant entrer, et par la grande porte, celle du Panthéon, les Justes de France qui ont bien mérité de se voir honorés après avoir sauvé l'honneur de la France. Ces jeunes que vous voyez là, qui viennent pour la première fois fouler le sol d'Israël, qui ont pu, pour certains, pour la première fois aussi, retrouver hier des rescapés,
sauvés par leurs grands-parents, ces jeunes-là, nous devons leur faire confiance, nous devons les remercier de toujours, demain, se souvenir qu'ils sont venus ici, qu'ils vous ont vus, et que pour toujours, ils transmettront la mémoire de ce que nous avons perdu. Je suis très émue et très fière d'être avec vous aujourd'hui. On a visité Yad Vashem ce matin et vu le calvaire, les atroces souffrances qu'ont subi ceux qui ont été déportés et se dire que nos arrière-grands-parents ou mes grands-parents, tous ceux qui sont ici ont pu éviter à des juifs, à vos familles de vivre ça, c'est extraordinaire. Et je crois qu'aujourd'hui c'est une nouvelle histoire qui commence pour nous, à nous, petits-enfants, de transmettre à nos familles, à nos amis, à nos enfants, cette formidable... ils ont aimé l'autre au point de prendre les risques fous pour les sauver et voilà, à nous de leur transmettre tout ça pour que ça ne recommence jamais. J'ai été sauvée par une famille dans le Vercors qui s'appelle Boucher à Saint-Romand. Et grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Vos grands-parents qui nous ont sauvé la vie. Merci. Revenez. Revenir en arrière et puis comprendre. C'est merveilleux que nous soyons là. C'est merveilleux qu'on habite en Israël et c'est merveilleux qu'il y ait des gens qui puissent parler de ces héros. Ce sont des gens merveilleux. Et madame a dit la plus belle phrase. Ça a redonné l'honneur à la France. Ça, c'est... Si je suis vivant aujourd'hui, c'est à cause de gens comme ça. Absolument. Voilà. Absolument. Moi, j'avais 2 ans et s'ils ne m'avaient pas sauvé, je ne serais pas là. S'ils ne m'avaient pas gardé, s'ils n'avaient pas changé mon nom, s'ils ne m'avaient pas chouchouté, je ne serais pas là. Je vous remercie. Je vous en prie. C'est nous, madame. C'est merveilleux. Merci de les avoir amenés. Merci de les avoir amenés. Partie du voyage était beaucoup plus axée sur la connaissance d'Israël. La Fondation France Israël véritablement voulait nous permettre de mieux comprendre ce pays, les conditions de sa construction et puis surtout la façon dont les Israéliens ont vécu après la Shoah et l'état d'esprit dans lequel ils étaient, comment ils ont construit leur pays. Et on a eu la chance de visiter un kibboutz qui nous a permis de mesurer ce souhait d'égalité qu'ils avaient quand ils sont arrivés en Israël. Le souhait de vivre tous égaux et finalement plus tellement de barrières de classe sociale, etc. Et puis nous avons vu l'université, la Technion, qui est un centre universitaire de haute technologie qui nous a permis de voir combien Israël était en pointe maintenant sur un certain nombre de sujets et d'avancées, de découvertes universitaires. Et puis aussi, nous avons dîné avec des jeunes soldats de Tsahal, qui est l'armée israélienne. Et nous nous sommes rendus compte que des jeunes Français, des jeunes Juifs français, pouvaient venir donner du temps pour Israël et se battre aux côtés des autres soldats pour maintenir l'indépendance d'Israël. La reconnaissance du peuple juif envers nos arrière-grands-parents et nos grands-parents était assez impressionnante. Quel que soit l'endroit où on allait, on était reçus comme des héros, on était annoncés alors qu'il pouvait y avoir beaucoup de monde. Et de voir les témoignages de reconnaissance était assez impressionnant. On avait même eu la chance d'être reçus chez l'ambassadeur de France qui pour nous avait donné une réception invitant des rescapés et leurs familles à venir nous témoigner leur reconnaissance. Cette visite, c'est une visite qui marque aussi la qualité de la relation entre la France et Israël, qui marque aussi la qualité du travail de la Fondation, qui crée beaucoup d'événements, qui symbolisent justement cette intimité que nous avons entre Français et Israéliens. C'est que le problème de la persécution et de l'assassinat du peuple juif, de ces 6 millions de Juifs qui ont été assassinés, ce n'est pas seulement un problème juif. C'est un problème universel.
Et c'est en cela, je pense, qu'il était important d'inclure dans cette mémoire que nous transmettons également ces jeunes qui doivent prendre le relais, et non pas en tant que survivants de la Shoah, mais en tant que témoins de ce qu'ils ont pu voir et de ce à quoi ils ont pu assister. Et leur parole a d'autant plus de valeur que ce sont des descendants des justes, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'un message qu'ils ont hérité. Et n'étant pas juifs, cela n'a que plus de valeur.